Bonjour à tous les connectés. J'espère que vous allez bien chez vous. On va bien démarrer la séance de cardio de ce soir. Donc ça y est, 18h30. Je vais encore vous connecter un petit peu. J'espère que vous n'avez pas trop de courbatures du lundi si vous avez fait le quoi lundi soir. Donc si c'est le cas, faites attention. Prenez le temps aujourd'hui si vous avez besoin. On part sur une demi-heure de cours, sans matériel, uniquement du cardio. Donc là, préparez juste un petit peu d'espace autour de vous. Si vous êtes à plusieurs, faites attention. Il y aura quelques exercices où on va se déplacer un petit peu avec des mouvements latéraux et d'avant en arrière aussi. Donc faites un petit peu de place devant vous, sur les côtés. Si vous n'avez pas trop de place, faites attention. Faites attention aussi de ne pas glisser. Trouvez des bonnes chaussures. Et on va démarrer. Hop là, je mets un peu de musique. Allez, chez vous aussi, chez vous, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre du son. Donc, n'hésitez pas à mettre du son à fond si vous avez besoin de motivation, mettez son, faites-vous plaisir. Donc là, on part sur 5 blocs de travail. Donc, 5 blocs de travail, je baisse un petit peu d'abord. 5 blocs de travail. Donc, en tout, on en a pour à peu près 20 minutes de travail effectif. 20 minutes en tout. À chaque fois, on va pouvoir souffler toutes les 4 minutes sur les exercices. Donc, on va travailler justement pendant 4 minutes, 5 tours, donc 20 minutes effectives. Et on va voyager à travers différents sports à chaque fois. Donc, on part sur 5 sports différents, donc 5 univers de sport. Est-ce que vous êtes prêts chez vous? Oui, si c'est le cas, on y va. Donc, préparez-vous. Donc là, vous avez besoin simplement de vous-même, un peu d'espace, si vous venez d'arriver, juste un peu d'espace devant, derrière, sur les côtés. Et c'est tout. Une petite bouteille d'eau aussi hein, pour les petites pauses. On y va? Let's go, c'est parti, je vous laisse vous connecter. Encore un petit peu, dans 30 secondes, on y va, on se chauffe. Une demi-heure de cours en tout. Donc n'oubliez pas le replay. Il se fait à partir de 20h. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de suivre le cours, si vous voulez faire partager ce cours, n'hésitez pas. Le cours sera en ligne à partir de 20h, donc sur cette page, sur YouTube, sur Facebook aussi directement. Allez, 30 secondes sont passées. Let's go. On s'échauffe d'abord. On se met en condition. Hop. Allez, le grand classique. Là, c'est les deux pieds sous les hanches. Relâchez les épaules, redressez-vous. On commence, juste les épaules, enroulées, derrière, et grand cercle avec vos épaules, même chose dans l'autre sens, enroulées, très bien, pivotez ensuite, avec votre buste d'un côté à l'autre, alternez, gardez mon pied, il y a un pied qui décolle, juste le talon, passez sur le point de pied, regardez dans une direction, changez de direction à chaque fois. Prenez avec les épaules en arrière, cette fois en avant, alternez directement en arrière et en avant. Continuez comme ça. Très bien. On descend, on peut squat, léger ici et remonter ensuite. Donc gardez les talons dans le sol, repoussez-vous justement dans vos talons. Fléchissez tout doucement de plus en plus bas et remontez. Alors normalement, si vous avez bien travaillé lundi dernier, vous pouvez avoir quelques petites courbatures. Alors normalement, si vous avez bien travaillé lundi dernier, vous pouvez avoir quelques petites courbatures. Ça reste léger normalement, vous devez sentir le travail de lundi. Alors, si vous ne l'avez pas fait, descendez plus bas maintenant. Et voilà, il y a vos corps. Très bien. Écartez plus. Point de pied vers l'extérieur. On continue. On squatte large. Toujours la poitrine haute, poussez toujours dans vos talons bien remontés. Super. Et là, c'est pareil, de plus en plus bas si vous pouvez. Restez en bas, fléchissez. Mettez les coudes là, sur vos cuisses, poussez les genoux vers l'extérieur. N'hésitez pas à bouger un petit peu vos hanches en même temps. Baladez-vous, laissez descendre, vous allez voir, ça descend doucement. Gardez les talons au sol. Super. Très bien.
Avancez sous les mains. Gardez les pieds écartés. Position planche. Allongez juste un bras, loin devant, vers moi. Hop. Reposez, changez. Hop. Et relâchez. Si c'est trop difficile, genoux au sol. On serre un peu les pieds. Abdominaux. Cherchez loin devant. Stabilisez bien les mains sous les épaules. Les hanches face au sol. Vous allongez, vous replacez. Vous allongez et vous replacez. Ici. Là. Très bien. Reculez, replacez-vous debout. Redressez-vous. Et sortez votre corde à sauter, ici. Un pied après l'autre, alternez. Donc imaginez-vous avec une corde à sauter. Et montez pour aller chercher les fesses avec les talons. Passez en talons fesses. Et imaginez vos cordes à sauter. Essayez de doubler, deux de chaque. De la droite, de la gauche. 1, 2, 1, 2. Super. Repartez avec les deux pieds ensemble. Donc resserrez un peu les pieds, faites bouger les poignets. Imaginez cette corde autour. Vous pouvez monter. Et là, vous allez doubler cette fois. Deux tours de corde à sauter, on en a un petit peu plus haut. Très bien. Super. Relâchez et jetez votre corde à sauter. Ok, vous êtes prêts? On enchaîne, on attaque directement. On a 20 minutes à peu près de travail. À chaque fois, on aura des pauses, hein, n'oubliez pas. Des petites pauses, donc tout est 4 minutes. 4 minutes d'exercice. Donc, on a deux exercices à chaque fois sur un thème différent. Le premier thème, premier sport de la course. Vous voyez, on va se préparer en athlétisme. On a un peu de course. C'est de la préparation athlétisme, assez simple, vous allez voir. On commence avec deux exercices. Monte, donc les deux ici. Montez le genou et talons-fesses. Super simple, pendant 4 minutes. On va alterner ça. Prenez les options, je vous les donnerai pendant. N'hésitez pas à les prendre, ça devient difficile. Premier thème de la course. On y va? Let's go. Installez-vous. Et dans 10 secondes, c'est parti. Très bien. Sur place. Montez le genou, le bras opposé et courez pendant 20 secondes. Donc, genou haut, en redressant bien votre buste. Donc, regardez toujours loin devant et tirez avec les bras. Normalement, genou et bras opposés. Cherchez à redresser votre buste, le regard toujours loin devant. Et les genoux, essayez de les monter à hauteur de hanche. Très bien. 10 secondes de récup. Facile, 10 secondes de récup. Main au niveau des fesses. Une fois que vous êtes prêts, talon fesses, rapide. Et la même chose, avec votre talon, touchez la main. Pour lever les mains si vous voulez, ou avec les bras aussi, quand vous touchez vos fesses avec vos talons. Restez rapide, 20 secondes comme ça. Donc là, le but, c'est de travailler le bas avec l'échauffement cuisse ou ischio quadriceps. On repart, on reprend tout depuis le début. On n'a que deux exercices à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a? Genoux. Montez vos genoux. Redressez-vous. Donc gardez une belle allure en redressant le buste et les cuisses quasiment parallèles au sol. Et là, vous restez rapide. Si c'est difficile, allez moins haut. Gardez des pas plus légers. À vous de choisir votre option. Vous pouvez tenir comme vous voulez. Le but, c'est de faire monter la fréquence cardiaque et garder ce travail cardio. Un derrière, let's go. C'est le deuxième tour, il y en a quatre comme ça en tout. Continuez comme ça, toujours rapide. J'espère que vous allez plus vite que moi. Ouais, essayez d'aller plus vite. Accélérez. Très bien. Pause. Vous avez fait la moitié du travail, la moitié. On enchaîne. Les genoux avec les bras. N'oubliez pas. Bras genoux opposés. On y va. Accélérez, montez vos genoux. Serrez le ventre. Donc plus vous allez monter vos genoux, mieux vous allez travailler. Donc n'hésitez pas à les monter. Sinon, ici, en plus simple. Chez vous, vous faites ce que vous voulez. Je vous vois, je sais. Continuez comme ça, 5 secondes. Je vous vois, mais vous faites ce que vous voulez quand même. Talons fesses, on y va, let's go. Rapide.
Est-ce que vous sentez vos ischios jambiers qui travaillent? Ouais, c'est très bien. Et votre cœur, comment il est? Ça monte? Vous devez commencer à avoir chaud ici chez vous. Yes. Dernier passage. Récupère un petit peu. Les deux exercices. Et on aura commencé le premier thème. On y va. Genoux. Allez, essayez de monter plus haut tout à l'heure. C'est votre dernier tour. Là, vous pouvez y aller. On décolle le plus haut possible. Allez, plus vite. Encore plus vite. Accélérez, allez plus vite que moi. Accélérez. Plus vite. Pause. Yes. Bien aux fesses. Replacez les mains. Sans les mains et avec les bras. Vous choisissez. Let's go. Go. Allez, tout de suite. 20 secondes. C'est votre dernier exercice. Tenez bon. Allez, on s'accroche. Ah, ça chauffe au niveau des mollets aussi. C'est normal. On est sur de la course. Ouh. Ting, ting, ting. Pause. On se donne 1 minute 30. C'est tout. Allez, bon, un coup rapidement. Une petite minute 30. Alors, comment vous êtes? Ça y est, il fait chaud. C'est bon. C'est vous êtes bien. Ah, il y a de la pub sur mon téléphone. Ne regardez pas. Ok, la suite. Boxe. Ouais, un peu de boxe à la maison. Alors, le boxeur, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de quoi? Du haut du corps. Donc, on va travailler surtout les coups de poing. Et ensuite, de la corde à sauter. Deux exercices. Des coups de poing et de la corde à sauter. Préparez-vous. Dans 10 secondes, c'est reparti. Installez-vous. Pied droit devant. Pied droit. Regardez. Droite, gauche, droite. On change. Gauche, droite, gauche. Changez. Droite, gauche, droite. Changez. Gauche, droite, gauche. Allez de plus en plus vite. Deux directs. Un crochet. Deux devant. Un sur le côté. Gauche, droite, gauche. Changez de pied à chaque fois. Même bras, même jambe. Vous aurez l'occasion de le refaire. Très bien. Attrape corde à sauter pour la suite. La corde à sauter. Double under. Vous appelez comme ça. Deux tours de corde à sauter. À chaque fois, vous pouvez aller haut. Vous pouvez accélérer avec les poignets. Deux tours de poignets. Voilà, accélérez encore. Toujours avec les poignets. Et vaisseau haut. Pour pouvoir faire deux tours avec la corde. Très bien. Récupérez. Pied droit devant, bras droit devant. Regardez. 1, 2, 3. Et on change. 1, 2, 3. Comptez jusqu'à 3. On y va ? Let's go. Accélérez. Changez. Ne réfléchissez pas. Ça va venir tout seul. 3 et vous changez. Devant, côté. Devant, côté. Et toujours au niveau de votre mâchoire en avant. Devant la bouche, sur le côté de la joue. Yes. Finissez bien droite-gauche à chaque fois. On reprend la corde à sauter. Deuxième tour. Si ça devient difficile, faites un seul tour de corde. Allez, moins haut. Et faire ça. Hop, sinon, plus haut. Sinon, l'autre c'est encore plus simple. 1, 2. Vous restez sur place. Vous alternez en simple. En double. En simple avec les deux pieds. Double. Très bien. Troisième tour. Les bras. On se replace. Et direct. Les bras devant. Démarrez bien bras droit. Let's go. Là, vous restez bien ancré au sol. Utilisez vos obliques pour le dernier. Oh, on rentre. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Changez, frappez. Yes. On tourne. Qu'est-ce qu'on a? Corde à sauter. Ready? Let's go. Double. Haut. Restez haut. Comme lundi avec la tête. Qu'est-ce que vous faites?
Vous touchez le plafond. Allez, haut. Tournez vite. Super. Super. Ça chauffe au niveau des cuisses. Hein. Vous le sentez? Le haut aussi. Travail. On repart pour les directs. Direct, crochet. Deux directs, un crochet. Yes, les dents, la mâchoire ici, visez devant, serrez bien les poings, c'est ça, faites attention au voisin si vous en avez un devant, vous le frappez pas. Oui, qu'est-ce qui reste? Corde à sauter, et, on y va, let's go, 2, 2, let's go. Allez, haut, haut, je vais vous voir aller haut, on décolle. Prenez l'option que vous voulez, allez rapidement ou allez haut, à vous de voir. Ça va faire monter autant le cardio pour chaque exercice. 6 secondes, 6, 5, 4, tenez bon. Le dernier, ting, 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 coche finale. C'est la pause, pareil, une trempe de récup et on change de sport. On change de sport. Sport co, vous avez le choix avec... du volet, du basket, peu importe. On va lancer la balle, on va la bloquer et ensuite on va la réceptionner ou l'attraper. Oui? Allez, une petite minute 30, buvez un coup, il reste une minute à peu près. Buvez un petit coup, récupérez. Bon, après la course, après la boxe, un peu sport co, sport de balle ou du corps surtout. On attrape le ballon avec les mains surtout. Vous êtes prêts? Bon, pour y aller. Allez. Allez, 10 secondes. Installez-vous. Installez-vous. Alors, on l'a fait lundi celui-là. Un pas à droite, un saut. Un pas à gauche, un saut. Et ensuite, vous reculez. Bloquez la balle en haut, imaginez les filets. Les filets, vous mettez les mains au-dessus et vous replacez ensuite. 1, 2, et vous revenez. Au basket, vous shootez, hop, vous shootez, hop, et ensuite vous faites, ouais, vous allez marquer. Faites ce que vous voulez, mais allez loin. Ok, pause. En reculant, vous pouvez monter vos genoux aussi si vous voulez. Hein. Ensuite, deux pas chassés à droite, deux pas chassés à gauche. On réceptionne. Chassez. Qu'est-ce que c'est ça? Une manchette au volet? Ouais. On attrape le ballon qui est au sol. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Pas chasser. Hop. Descendez plus bas maintenant. Petit pas rapide. Vous vous déplacez en latéral. Très bien. Quel sport vous faites? Quel sport? Basket, volet, comme vous voulez. On y va? On shoot, on bloque. Un pas, un saut. Un pas, un saut, vous reculez, content. Vous shootez, hop, vous êtes content. Vous levez les genoux aussi. Hop, hop, et on revient. Tenez bon. Toujours bien haut. Ok, pause. Le deuxième. Les chassés, manchette. Oui, on attrape le ballon. On y va, chassé, manchette. Chassez. Oh, le ballon arrive. On renvoie. Il est là le ballon. Attrapez-le. Hop, continuez. Fléchissez vos genoux. Restez léger sur les points d'appui. Ou sur les points de pied plutôt. Ou sur vos appuis. On repart. Un pas, un saut. Prenez la place. Allez plus loin. Allez plus haut. Loin devant, reculez vite et on repart. On décolle. Si on l'a vu lundi, on l'a vu lundi celui-là. Yes, les pas chassés aussi, on l'a vu lundi. Maintenant vous êtes habitués. Vous pouvez aller plus vite, plus loin. Là on prend toute la place sur les côtés. Prenez tous les crans comme moi. Hop. Hop, allez plus loin, descendez bas. Attention de ne pas glisser.
Regardez, les fesses vers l'arrière, talons au sol. On reste ancré quand même, pour réceptionner plus fort. Hop. Très bien. Last one. Dernier tour. Ça monte ou pas? Ouais. Pas besoin de grand chose, hein? Pas besoin de grand chose pour travailler cardio à la maison. Montez vos genoux. On continue. Décollez, décollez. Très, très bien. Encore un. Encore un. À chasser. Oui. On y va. Sur les côtés. Descendez. C'est déjà le troisième sport qu'on fait. C'est déjà le troisième. Comment vous êtes chez vous? Oui, il y en a cinq en tout. N'hésitez pas, si ça devient difficile, à faire des pauses. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Ok, pause. Pause, pause, pause. Une trente aussi. On change le sport. Et n'oubliez pas, à chaque fois, on travaille sous forme d'intervalle training, sous forme d'un circuit, justement pour habituer le cœur à l'effort et à la récupération aussi. Vous voyez, pour avoir un corps et un cœur forcément plus fort. Vous voyez, une meilleure endurance pour un bon travail cardiovasculaire. Forcément, vous allez brûler un maximum de calories. C'est hyper intéressant. Donc, ne lâchez rien chez vous. Une demi-heure, c'est rien. Une demi-heure, c'est rien. Vous avez des temps de récup. Vous pouvez faire plus de pauses si vous avez besoin. Tant que vous bougez un peu, voilà, le travail sera fait. Vous devez sortir légèrement de votre zone de confort. Sport de combat. On a fait de la boxe tout à l'heure, on a utilisé le haut. Utilisons un peu le bas du corps cette fois. Donc pour le bas du corps, des coups de pied. Je vous montre rapidement quand même avant d'y aller. Donc ici, vous allez travailler avec la fente. Donc ici, un pied derrière, une fente, un kick, vous reposez derrière. D'accord? Et vous changez de jambe. Donc pareil, une fente, un kick, vous reposez derrière. Vous changez, vous switchez. D'accord? La fente, vous êtes pas obligé de descendre, hein, vous pouvez fléchir légèrement. Par contre, vous montez bien le genou avant, vous allongez ensuite la jambe. Vous terminez sur le kick. Vous repassez derrière, vous switchez. Même chose, fente, bras opposé, kick, on pose, on switch. Ouais. Ça va pour ça? Squat, coup de pied côté et on revient. Squat, coup de pied côté et on revient. Attention sur les côtés, faites attention d'aller pas trop haut. Si vous avez de l'espace et si vous êtes souple, vous avez le droit de monter un petit peu plus. Ici, démarrez bien le genou fléchi, tendez la jambe, replacez, posez. Ouais. Ça, c'est pour le deuxième. Préparez-vous. Si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez la faire là. Si vous voulez, récupérez un peu. Il en restera un après. Juste un. Ouais, sinon, on enchaîne, il en reste deux en tout. Let's go. Vous êtes prêts? Ready? Démarrez pied droit devant, kick gauche, pied droit devant, kick gauche. 1, 2, posez derrière, switchez. 1, 2, posez derrière, switchez. Et si vous pouvez, on accélère. Hop, 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 hop. Montez bien le genou sur le kick et frappez avec le bol du pied, le dessous du pied. Ouais, hop, on allonge. Très bien, on part par ici. Un squat, un pas. Un coup de pied, on revient, un squat, un pas, un coup de pied. Let's go. Pareil, montez le genou, allongez. Et là, vous frappez avec votre talon. Le talon, vous le tranchant du pied. Ici, ici. Regardez, talon, tranchant du pied. Un, deux, un, deux. Vous pouvez aller plus vite, hein, vous avez droit. Faites attention aux voisins. Pause, on récupère. Fente et kick frontal. Pied droit devant, kick gauche. Garde. 1, 2. Posez, switchez. Montez bien votre genou. Stabilisez. Et hanche lourde face. On revient. Ça fait bien avec la caméra. J'ai l'impression de donner des coups de pied au-dessus de la tête. Pourtant, non.
bien. Kick latéraux. Pareil, faites attention sur les côtés. Attention de ne pas glisser. Restez bien ancré au sol. On part à droite. Hop, kick, squat. Un bon travail pour vos cuisses. Fléchissez, allongez. Replacez ensuite. Ramenez votre genou. Réarmez, réengagez. Poum, poum. Ok, super. On repart. Fente. Ça chauffe au niveau des cuisses, au niveau des fessiers aussi. Oui, et engagez le centre du corps. Pied droit devant, pied gauche. On switch. Switchez. Descendez. Si tout va bien, plus bas encore. À vous de voir si tout va bien. Juste après le switch, descendez. Descendez. Regardez la garde. Vous relâchez les bras si c'est difficile. À vous de voir. Si vous engagez les bras, vous engagez aussi le centre du corps pour stabiliser. Sur les côtés, un pas, kick, squat. Celui-là, il est un petit peu moins cardio, plus de renfo. Et le cœur, toujours en action. Le cœur, on reprendra tout à l'heure. Un peu plus. Yes. Dernier tour, dernier tour. Accrochez-vous. Qu'est-ce qu'on a? Pied droit devant. La garde. Kick. Switchez. Posez, switchez. Toujours la même chose. Posez bien derrière. Changez de jambe. Derrière, on change. Là, vous devez sentir les fessiers aussi. Sous la remontée. Ok, le dernier. Déchassez. Squat avant ou après, peu importe, quand vous faites descendre. On est là. Petit squat, hein, vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas. Voilà, allongez. Vous pouvez même allonger le bras. Vous regardez, vous frappez. Ça, c'est pour les experts en arts martiaux. Faites ce que vous voulez. Tant que vous sentez le travail. Hop. Un dernier. Super. Dernier tour, une trente de pause. Dernier passage, pareil, 4 minutes, et après, je vous laisse tranquille, j'espère que ça va. Le dernier, sport de glisse, on va se retrouver sur une planche de surf. Qu'est-ce qu'on peut faire d'après vous sur une planche de surf? Oui, une planche de snow aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, je vais vous dire pendant. Surprise, 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 essayez de les tenir, si c'est trop difficile. Faites-en un sur deux. Vous prenez des temps d'accup. Faites moins longtemps sinon par exercice. Faites comme vous pouvez. Mais essayez de terminer ces 4 minutes. Là, vous êtes quasiment à la fin. Une fois que les 4 minutes ont passé, vous avez fini. D'accord ? Je vous donne les options. Prenez-les aussi. Hein. N'oubliez pas. Prenez-les. Ça vous paraît difficile peut-être aujourd'hui. Si vous le refaites une prochaine fois, ça vous paraît beaucoup plus simple. Donc, sur la planche, on va se relever en burpee. Ah, le burpee, je vous montre rapidement quand même. Vous vous placez, donc soit de face, soit sur le côté. Imaginez la planche devant vous, vous mettez les mains dessus. Donc vous êtes poitrine sur la planche, vous redressez hop, directement sur la planche. Ça, c'est le burpee, on ne va pas faire de saut. Si vous voulez faire des sauts, allez-y à la fin, comme vous voulez. Faites-le au début, pardon, mais faites-le quand vous voulez, si vous avez besoin de les faire. Si vous sentez que c'est trop facile comme ça. Mais le plus important, c'est la planche, vous se mettez dessus. Sur la poitrine, vous relevez avec un pied si besoin, l'autre ensuite, vous redressez. Ça, c'est l'option plus simple. Un pied, vous revenez aussi avec un pied. Sinon, les deux en même temps, d'accord? Ensuite, le snow, vous avez les deux pieds en latéral, on change. On a les bosses. Voilà, on change juste de pied, de jambe pour alterner. On a les deux exercices, c'est votre dernier travail. Vous avez vu, ça va vite monter. Préparez-vous. Les burpees avec ou sans saut à la fin. Tant que vous mettez la poitrine au sol, c'est ce qui m'importe le plus. Poitrine au sol, vous redressez comme vous voulez, avec un pied ou les deux. 10 secondes et c'est reparti. Allez, imaginez la vague qui arrive. Vous vous installez sur votre planche. Hop, vous descendez.
vous montez directement. Hop, et on repart. Redressez-vous bien chaque fois. Redressez-vous. Faites-en autant que vous pouvez. Touchez avec la poitrine le sol. Touchez. Redressez-vous. Très bien. 10 secondes de récup. 10 secondes et on sort la planche de snowboard. Hop, vous êtes dessus, les deux pieds sur la planche, hop, vous switchez. Vous avez une bosse à chaque fois. Si c'est trop difficile, hop, serrez, ouvrez. Avec un petit squat, sans impact. Vous choisissez ici. En sautant. Très bien. Récupérez, 10 secondes. Prenez le temps de récupérer. Dernier passage. Pardon. Deuxième passage, excusez-moi. On y va, au sol. Let's go. Je vous fais des fausses joies. Mais non. Utilisez votre respiration pour vous redresser. Soufflez ici. Descendez en inspirant. Remontez, soufflez. Yes! Récupérez. Surfez maintenant. Snow, snow. On récupère le snow. On est sur le ski ici. Hop, sur les pistes de ski. Vous avez plein de bosses. Pivotez ou switchez simplement. Fesses en arrière, poitrine haute. Hop. Des petits squats. Choisissez avec saut ou en squat. C'est ça. Vous avez fait la moitié. La moitié, on donne tout pour les deux derniers tours. Yes. Au sol, on lâche rien. Go. Poitrine au sol. Redressez-vous. Prenez le temps. Si vous avez besoin, allez plus vite que moi. Si tout va bien. C'est la pause. Snow, snow. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, de profil. On y va, genoux fléchis, souple sur les genoux. Amortissez, toujours souple. Très bien, continuez comme ça. Et c'est super, continuez, continuez. Pivotez, essayez de garder les pieds quasiment parallèles ou légèrement ouverts. Oui, en pivotant, en tournant, toujours légèrement vers l'extérieur. On passe au sol. C'est votre troisième tour, le troisième. Quatrième, let's go. Pour les plus téméraires, n'hésitez pas à mettre le saut après. Vous descendez, vous sautez si vous voulez. Ici, un, hop, et deux. Choisissez. Très bien. On finit. Snow, let's go. Switchez, changez. Jusqu'à la fin. Ne lâchez rien. Si c'est votre 2, 3e, 4e cours pour celui-là, ah, vous pouvez descendre plus et tourner plus longtemps, plus vite. Hey, super. Bravo. Bravo tout le monde. Bien joué. Vous avez fait du beau travail. Bravo, bravo. Check avec le coude de loin, avec le pied, encore mieux. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous dis à très vite, donc la semaine prochaine, la fin de semaine. Vous continuez vendredi soir, pareil, 18h30, 45 minutes de full body. Donc là, on a fait du cardio. On a beaucoup moins travaillé le renfo, justement. Là, vous allez pouvoir travailler un peu plus le renfo avec le full body de Marjorie. Vendredi soir, même heure, 18h30, ou en replay. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao, à bientôt.